Bon salut à tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs. JPL nous est vraiment content pour le rentrer la carte, pour le capoter. Bon gens, information pour nous-mêmes. Jodi en la vidéo que je porte pour nous, c'est par rapport ensemble avec account USCIS. Nous capables de monter, nous capables de joindre une modification qui fait. Donc, ça a causé que il y a un pile monde qui a fait que sauter. Et puis, moi dit, bon, viens avec ça pour nous capables de non. Un bon j'ai explication pour que ne pas casser et pour ne pas connaître qui ça pour nous faire. Si c'est pour la première fois que vous sur channel ça, même pas oublier abonner et ou même quitter là déjà pour vous abonner. Maintenant, donc, qui ça va prétendre parce que ça c'est channel Paola. Mesdames et messieurs, après update que USCIS t'a fait une fait, eh ben, femme dit que gagnent, ils ont une nouvelle fenêtre que en pile monde les ont monté à joindre. Ça qui arrivé, ou monter sur account du CIS là, ou garder où est Jean était auparavant. Mais, lorsque vous regardez sur l'écran là, ou capable que, il y a une vidéo que je partage avant, ouais, il y a une fenêtre côté que, ou elle marqué, welcome to your USCIS account, côté que, lorsque la donne, ouais, edit my account profile, ou joindre my USCIS, après ça, ou pral joindre quelques autres encore, tant que, ou je gomba yore les first, gagnon yon my e-verify et gen e-verify. Ça yo, c'est un ensemble de bagay que USCIS ajouté. Donc, en pile moun capable joindre plus service. Donc, c'est pas rien lié. C'est USCIS qui fait le comme ça. Sous besoin aller sur account ou directement ou pralé sur go to my USCIS. Là ou aller dans go to my USCIS, c'est là ou pral joindre tout dossier que ou te filio, même j'en capable ouais, parmi yon là ou un nom. Et puis, ouais, l'autre bagarre encore. Donc, ça vient faire, quel que soit le monde, ou qu'à aller sur GoToMyUSCIS, USCIS, ou joigner. Maintenant, first là, lui-même, son l'autre bagarre que lié. C'est côté que, ou gagne des demandes que ou qu'a fait, peut-être pas ou, des demandes que ou qu'a fait pour l'autre monde, des demandes que ou qu'a fait pour un monde, neuf en monde, côté que, gagne ensemble de documents ou capable mander et par rapport ensemble avec dossier que ou gagne sur USCIS yo et pour voir comment ou capable joindre plus bon service. Ou après que gagne ou marqué for myself ou après que for someone else. Donc ça c'est un ensemble de bagages que ou capable mander. Donc ouais ou relé li FOIA. Donc ça laisse ça gagne de ensemble de détails ou capable mander ou laisse ça ou bay information de ou même nom ou bay e number ou bay date de naissance ou koto fait. Et ensuite ou joindre ça ou gagne adresse ou bien email ou mail ou mes chers amis. Après, au fin, joindre ça y aurait les, et, Freslan. Maintenant, ça y aurait les, my e-verify. E-verify, là, les concernés et éligibilité pour travail. Parce que c'est sous lui que y'a monté pour, ouais, est-ce que, au monde, lui, gagne autorisation pour le travail, et, États-Unis. Bon, après que, Florida utilise l'empile, my e-verify, côté que, au parloué, là, ou capable de créer un e-verify account, mesdames et messieurs, et laisse ça, ou pas que, laisse ça, libre bon accès, ensemble avec, yon, paquet de bagages pour, ouais, est-ce que, ou accepte à terme condition, etc., est-ce que, département de blame security, les mêmes, ensemble avec, en social security administration, yon, bah, ou permission, ou même, pour capable, faire quelques bagages. Donc, USCIS vina avec eux, mes chers amis, c'est justement, pour capable, aider, moun, capable joindre bon genre information et permettre ou connaître quelques bagages qui passent dans le département Homeland Security par rapport ensemble avec USCIS et ensuite par rapport ensemble avec CBP. Avec dire que on monde dans service ça c'est ou même qui pral connaître qui ça ouvre le fait dans my e-verify là. Donc c'est des services côté que j'aime dire déjà que yo à peine implémenté. Donc kon y a zamim, ou pral wè que gagnen my e-verify et ensuite ou pral tande tout à l'heure là, on pral parler de ça ou relé e-verify là côté que li pral permettre jusqu'à présent ouais différence qui pral gagnen entre eux. Même. Donc rapidement zamim, on nou passe parce qu'on prend un écran qui te quelque bagaille juste pour montrer que et comment qu'a rempli, comment qu'a fait demande pour my e-verify là, comment qu'a fait tout bagage ça. Mais seulement m'a dit non, il gagnons jouer sous yo parce que c'est des bagages côté que ou ka utiliser pour capable joindre des informations. On aller dans e-verify plus.
Even 5 Plus, Zamim, c'est yon et alors Lila directement par rapport avec nouvelle donnée à côté que gagnent des bagages qui pourraient permettre que ou joignent plus détails. T'as coup ou après que t'as le Even 5 Plus, pas l'autre deux et Homeland Security USS par rapport avec travail ou quand j'ai des informations ou est que de nos jours depuis que checker Even 5 Plus ou regarder pour est-ce qu'on est éligible pour travail mais E-Verify plus là la donne les mêmes ou capable gagner information par rapport à I9 ou form I9 ou gagner pour employment eligibility verification and then ou pas ouais que là dans tout ou pas joindre ça ou les physical examination pour DHS capable autoriser procédure pour capable même faire des détails donc ça veut dire gagner un paquet de bagages là dedans qui parlait de immigrant nationalité on pas quel détail donc ça me fait le vin avec le conseil pour justement pour même au capable ouais que nouvelle et implémentation qui vient gagner dans système non donc au pas besoin ba tête au problème moi j'ai entendu sous besoin sous joindre de pas toujours des conseils aller dans my USCIS automatiquement cliquer là-dedans ou joindre toute information que ou gagner sur account puis quand fait tête chaud pas du USA chercher bagayo c'est pour le café programme crase programme donc on était juste voulait que nous au courant de ça donc amis c'est là que nous mettez fin la vidéo nous vous remercie parce que vous toujours ba nous support pas oublier ba nous love là mesdames et messieurs bye bye et à la prochaine.